25 nourrissons ont été contaminés par la même salmonellose entre 2006 et 2016, point bien, avant l'éclatement de l'affaire actuelle. Ce sont des cas sporadiques de salmonellose chez des nourrissons, 25 sur 10 ans, pour lesquels nous avons pu confirmer qu'il s'agissait de la même souche qu'en 2005 et 2017, a expliqué le directeur du Centre national de référence salmonelle à Pasteur, François-Xavier Wey. Ces 25 cas de contamination s'ajoutent donc aux 37 nourrissons touchés en 2017, mais aussi aux 140 contaminés en 2005. On a d'abord prouvé que la même bactérie de type Salmonella agona était en cause dans les deux épidémies de salmonellose de 2005 et 2017. Et on s'est demandé où avait pu résider la souche pendant les 12 années entre-temps, a déclaré le bactériologiste.